Hare Hare, Hare Hare Krishna. Mais Gégé, t'étais où, putain? Ça fait 15 jours qu'on n'a pas de nouvelles, tout le monde s'inquiète, on flippe. Mais j'étais dans une secte. Une secte? Quelle secte? C'est qui le gourou? En fait, là-bas, on l'appelle le grand professeur. Le voilà. Grand professeur? Mais c'était où, cette secte? Je sais plus, je me suis endormie, je sais plus où, tu vois. Et je me suis réveillée au pied du grand gourou. Et je faisais partie des adeptes, et il m'a dit que j'avais fait un karma idyllique. Un karma idyllique? Ouais. Je me suis réveillée dans une chambre toute blanche. Tout le monde était habillé en blanc. Ils étaient gentils, ils m'ont fait des piqûres, des perfusions, et ils m'ont même pris ma température. Gégé, t'es sûre que t'as pas fait un coma éthylique? Ah, bah merde, voilà. C'est ça, c'est ça. En fait, t'étais à l'hôpital, quoi. Oh, merde. Mais le grand gourou, c'était qui? Un toubib. Oh, merde. T'es déçu? Ben non, c'est pas pour moi, c'est pour le gosse. Quel gosse? Ben en fait, je suis enceinte. Sérieux? Oui. Enfin, j'espérais, parce que je pensais porter le grand messie. Mais si c'est pour faire un brancardier, laisse tomber la neige. Gigi, il faut que tu freines un peu la picole, hein. Oui, ben, je freine. Ouais. Je suis en vitesse de croisière. Putain, mais maintenant, qui c'est qui va prendre ma température? Pascal? T'as fait ta crèche, toi? Ouais, et alors, à cette occasion, j'en profite pour te servir un jeu de mots qui est fabuleux. Je l'ai faite, ma crèche, sans ton consentement. Tu l'as ou pas? Je redémarre. Santon de Provence, consentement. Santon, consentement de Provence. Crèche, parce que c'est des santons, les petits. Les santons. Ah, dis-le, les santons. Ouais, les santons. Ah, ça s'appelle les santons, ça. Les santons, même Jésus est un santon? Oui, les santons, les santons de Provence. Ah, tiens, hé, François, laisse tomber, voilà des vrais comiques. Titoff et Mabrouk. Qu'est-ce que ça voit, les comiques? Asseyez-vous. Ça va? Ça va? Ça fait plaisir. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ta femme. Ça va bien. Malik Bentala. Salut, salut, bonsoir. Qu'est-ce que ça boit? Mets-moi un jus d'abricot. Un jus d'abricot. Ouais, ouais. Malik, tu veux le presser toi-même? Il est tout frais. Moi, la même chose que vous. D'accord. Voilà. C'est ton premier bar raciste que tu fais? Non. C'est sympa, puis on je viens du sud de la France, tu sais. T'es d'où, toi? Oui. Ça se voit, hein? Ouais, ça se voit. Ouais, donc, voilà. J'ai joué à Béziers il n'y a pas très longtemps. On s'en fout, mais j'ai joué à Béziers. Ouais. Ah oui, alors la spécialité de Béziers. C'est l'envie. Ouais, la très grosse envie. Ah, ah oui, ouais. Francis Blanchard. Ouais, c'est mais, merci. Moi j'ai d'abord compris. T'as compris, Malik? C'est pas du tout la même chose que. Non, pardon. J'ai dit la même chose que, et en fait, ça n'a rien à voir avec aucun merde, quoi. J'ai compris la même chose. Alors tu sais quoi? C'est quoi? C'est parce qu'il fête ses 15 ans de spectacle, ouais. Donc il a pris un boulard, le ouais. Mec. Un boulard. Ah oui, j'ai vu. Mais déjà, quand j'avais fêté mais un an, déjà, j'avais le boulard. Ouais. En plus, c'est 14 ans de one-man show et ça fait 20 ans que t'es dans le métier. Mmh. Donc ton affiche est fausse. Mais non. Ton affiche est fausse. Ça fait 15 ans que je suis arrivé à Paris. On a pris cette date d'anniversaire. Mais il est fou, ce mec. Faux. Laurent Ruquier m'a dit la même chose. Faux. Tu vous êtes appelé ou quoi? Faux. Mais je suis arrivé en 99. Faux. Donc... On est en 2014. Non, tu faisais les trucs pour Delarue, c'était... Ah, c'était... Non, Delarue, Jean-Luc était venu à Marseille voir le spectacle. Faux. Il avait produit... Faux. Mais t'es fou, quoi. J'avais fait la Comédie de Paris. Bah, pourquoi tu dis pas... En octobre 2014, pourquoi tu dis pas mes 16 ans et demi, 3 quarts de spectacle? Mais non, c'est 15 ans. C'est une belle, on dit que c'est une belle date. Ça fait 15 ans. Rajoute, belle date qui est fausse. Écoute, si tu veux, santé. 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 Et toi, Théo? Théo Mou. Non, Théo. Théo la Michaudière. Voilà. Théa. Michaudière, ça marche bien? Ouais, c'est un carton. Les gens t'adorent, hein. Écoute, j'ai l'impression. Ça marche bien pour toi aussi, hein. Ouais. Qui est le plus drôle des deux? Bah, c'est moi. C'est moi. Par rapport, enfin, comment dire, de la génération. Ta maman a dit que c'était toi. Ouais. Ma maman a dit que c'était toi aussi, tu vois. C'était toi le plus drôle. Titoff, tes nouveaux thèmes, c'est quoi? Mes nouveaux thèmes. Alors, justement, j'ai repris les 15 ans, ou les 16 ans et demi, ou les 14, enfin, comme tu veux, parce que bon, compliqué. Mais j'ai remixé des anciens sketchs, le chasseur, les chips, les toilettes des filles. Et il y a pas mal de passages de mon dernier spectacle. Et je voulais pas faire un best-of, il y a beaucoup de nouveautés.
Voilà. Par exemple. Par exemple, j'ai pris, comme ça fait 15 ans, j'ai pris les interdictions de fumer, de picoler, tout ce qui est radar, tout ça. Et c'est un moment vraiment où moi je m'éclate, le public s'éclate aussi, parce que il y a un côté où tu vois, les gens se lâchent d'un coup. Parce que je prends par exemple, quand en fait il y a 15 ans, il n'y a pas d'interdiction de fumer, tout le monde fumait dans les bars, les restaurants, même dans les. Si tu remontes après en arrière, dans les hôpitaux, les gens fumaient, on va opérer dans les voitures. Moi j'ai souvenir avec, on doit avoir les mêmes souvenirs, mon père, la Renault 16, avec les vitres fermées, trois paquets de gitane, moi ça me donnait envie de boire un cognac, de fumer. Il y avait toujours, tu vois, c'est pour ça qu'il y avait toujours un berger allemand, tu sais, qui avait la tête dehors comme ça avec la langue, à l'époque quand tu croisais en voiture. Et voilà, j'ai pas mal de trucs, des transitions aussi sur ça, sur ce qui se passait il y a 15 ans et ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des bistrots où même les chiens, ils fument. Ouais. Non, sérieusement, c'est quoi tes thèmes? Sinon, il y a quoi de drôle? De drôle? Non, mais si, de nos... Mais non, mais je t'ai dit, c'est dans le groupé, tu sais, c'est quand t'as coup l'excitation, le rire, tu sais, quand les rires, un rire est sur l'autre rire, c'est difficile. J'ai des moments où j'arrive même plus à parler tellement les gens rient. C'est ça. T'as jamais connu ça, parce que toi c'est très très aigri. Mais tu mets tout ça dans le spectacle, j'espère, c'est très drôle. Comment? Tu mets tout ça dans le spectacle. Je trouve que je vois toujours pas qui est ce mec, quoi. Je t'ai vu plusieurs fois. J'ai vu faire des trucs, tu poses des questions, mais t'arrives pas à. C'est ça. Et en fait, c'est. Enfin, tu étais. Voilà quoi. Ouais, ben je. Voilà. Et toi, Maluc, alors c'est quoi les. Mais qui es-tu? C'est un mystère, on sait pas. Hein? On sait pas. Maluc, c'est quoi les trucs? Tu le connais, toi? Des trucs marrants, moi. Plein de trucs marrants. Par exemple. Plein de trucs marrants. Sur le radar. Sur les radars. Le truc le plus marrant, c'est que c'est un mec d'Avignon et qu'il est pour le PSG. Ouais. C'est, je trouve que c'est ça le plus. Moi, je prends le PSG, ouais. C'est ça le plus. Ouais, je prends le PSG. Sérieux? Je vois sur Twitter, on se régale. Parce que chaque fois, ça fait un truc. Son oncle a joué, était professionnel. Au PSG. Au PSG. Pour le PSG. Là, il y a un schisme. Ah ouais, voilà, il y a. Même du shit, si tu veux. C'est... Parce que lui, c'est l'OM. Ouais, ouais, ah bon, ouais. C'est moi l'OM. Lui, il encule Paris. Et lui, il veut enculer Marseille. Marseille, ouais. Et toi, tu veux enculer qui ce soir? Mais c'est qui ton prochain spectacle? Il n'y a pas de ville, hein. C'est comme ça se présente, en fait. Hein. Si on parle de foot, tu as le Brésil, quand même. Bah écoute, si tu veux bienvenue participer, c'est avec un grand plaisir. Bah écoute, je sais pas, on... On va tirer les pénalties. Il n'y a pas de charcuterie. Et ça, c'est quoi? Est-ce qu'il y a du beurre? Oh, de la charcuterie? C'est comme ça que tu traites tes femmes? Devant ton andouillette. Triple A, on l'appelle. Et toi, alors, Malouk, ça parle de quoi? Je parle de plein de sujets, du foot. Mais par exemple? Bah, par exemple, des vannes sur l'école, sur la télé. Je parle des émissions de télé, j'aime les émissions de télé. Par exemple? Par exemple, Fort Boyard. Je me questionne sur Fort Boyard, je dis pourquoi ils appellent le nain Passepartout? Pourquoi le gros l'appelait-il la boule, le pauvre? Tu vois, je me demande... Personnel. Et tu dis que dans ton spectacle, que Fort Boyard, Titoff et moi, on l'a fait ensemble? Oh oui. Avec, vous l'avez fait? Ah oui, c'est vrai. Ensemble, c'est les trois. Mais ouais. Ce mec, non. Sors. La clé de cidre est vide. Sors. Ce mec, voilà, ça fait 15 ans. Tiens, j'allais dire 20 ans. Merde. 15, vous avez fait Fort Boyard? Ça fait 15 ans. Et ce mec, il m'appelle, il dit où je viens. Voilà. Bonjour. Et là, moi, j'ai le vertige. Il y avait un espèce de mec champion du monde de descente en fait été, c'est-à-dire que c'est un sport qui n'existe pas, sauf que le mec, il a tout de cassé, en fait, il descend, et le mec, il a peur de rien. Et moi, j'ai le vertige, et pour l'association, on me fout à 40 mètres de hauteur, accroché avec un espèce de truc, et le mec s'amusait à toucher le câble en bas, et Laurent, ça. Et moi, j'avais le vertige, parce que j'ai dit à tout le monde, j'ai le vertige, mais bon, je le fais pour l'association. Et là, j'avais la base, je le traitais de tous les noms, mais on m'entendait pas, parce que j'étais à 40 mètres de... Et lui, il a... Bah oui, mais c'est un classique, c'est un classique. J'ai rempli des fiches aussi. T'as peur de quoi? Moi, j'ai peur des araignées, des serpents. Ça me traumatise, donc j'ai rien fait. J'ai fait des refus d'obstacles à toutes les épreuves. Je n'ai rien fait. Rien fait, tu te rends compte? Dans Fort Boyard? Dans Fort Boyard. T'as ramené zéro clé. J'ai ramené zéro clé. Tiens, Guillaume! Mais non! Viens, Guillaume! On a tout, t'es fou. C'est la cour des miracles. Tiens, Guillaume, c'est fou. Ah, attends, tu dis rien, Malik. On laisse arriver Guillaume et tu dis si tu remarques quelque chose. Tu nous dis. C'est pas grave. Salut Guillaume. Ah, mais où c'est qui qu'on le met? Non, mais il est là, c'est juste pour qu'il le voit. Voilà, je pars. Je m'en vais. Ça va, mec? Passepartout. Vas-y, demande-moi un autre truc. Un travestat, t'as un nain, t'as un black. On a le black ou pas? Non, y'a pas ça. Tu rigoles, on a pas de black? Ah oui? N'importe quoi. Dis-moi un autre truc. Une vieille. Une vieille, Gégé. T'as une vieille? Bah, Gégé. Oui. Fais coucou. Oui. Voilà. Ah, t'as même un black pour demain. Alors? T'es emmerdé maintenant, hein? Une belle princesse, pas. On a un intello. Un humoriste? Un humoriste? Ouais.
Non, y'a pas ça. Non, y'a pas ça. Ça, c'est chaud, ça. Y'a pas. Ah, meilleur. Santé, hein. Ah, la tienne. La tienne. Voilà, on a tout. Un policier, ça. Un policier. Il peut avoir un flic, là. Non, mais demandez des trucs durs. Un policier gay. Bah, on a deux. Léonas. Tiens, venez, venez. Léonas. Venez, les tarlouses de la brigade, là. Regarde, ils vont s'embrasser sur la bouche. Avec la langue qui... Sur la bouche, regarde. Voilà. Ah ouais. Voilà. Allez, barrez-vous, barrez-vous, maintenant. On a tout. Tu sais où? Il y a un autre truc. Un Père Noël. Ah, ah non, il n'y a pas. Il n'y a pas de Père Noël. Bah là, regarde. Non, c'est la maman Noël. La maman Noël, mais que c'est mignon. Bah oui. Vous savez, je me dis des fois, quand je pense qu'il y a des gens qui ont des handicapés dans leur famille qui ne vont jamais les voir, alors payer pour en voir un qu'on ne connaît pas, c'était pas gagné, hein. Alors moi, je vous dis, voilà, je suis comédien, et quand t'es comédien, très souvent, tu commences par faire de la figuration. Mais le problème, c'est que pour être un bon figurant, il faut être quelqu'un de transparent, de banal. Tiens, toi, par exemple. T'aurais fait un excellent figurant. T'es content, hein? Parce que tu ne dégages rien, mon pote. Même en one-man show, on ne te remarque pas, hein? Si je faisais de la figuration, comment voulez-vous qu'on ne me remarque pas? Un exemple, tout le monde a vu Titanic? Oui! Ok, donc tout le monde voit cette scène légendaire où Kate Winslet écarte les bras et gueule « Jack, je vole !» pendant que l'autre abruti lui tire la taille. Tout le monde voit la scène? Oui! Ok. Imaginez qu'à ce moment-là, moi, je sois derrière eux en train de passer la serpillière sur le pont. Et ben, je peux te dire un truc, c'est que t'en as plus rien à brûler qu'elles sont en train de voler, l'autre connasse, hein? Non, puis en plus, tout le monde se foutait de ma gueule. C'est Guillaume, si on cherche la doubleur de Gollum, on t'appelle, hein? Va te faire enculer, hein? En tout cas, c'est ce genre de vanne, de petite vacherie, qui m'ont motivé à monter mon one-man show, parce que j'en ai eu marre que les gens aient gratuitement de moi. Or, maintenant, je l'ai fait payer, et je le vis vachement mieux, voilà. Alors moi, je vous dis aussi, si je penche à droite, ce n'est pas par conviction politique, hein? D'autant que moi, je suis complètement apolitique. Et c'est pas par choix, non, vraiment pas. C'est juste que j'arrive pas à me décider si je suis de gauche ou si je suis de droite. Un exemple, les pauvres me font de la peine, mais j'irai jamais les aider. Ça me dégoûte, tu vois. Alors par contre, on me dit, Guillaume, un petit Africain vient de mourir de faim, bon, je suis pas un connard, ça me fait chier. Mais pas longtemps. Tu vois. Et alors je suis d'accord pour dire qu'on vit dans un monde complètement capitaliste. Ok, je suis d'accord. Mais j'adore le pognon, putain. On dit l'argent fait pas le bonheur. Bah putain, il y a vraiment qu'un connard de pauvre pour inventer des conneries pareilles, hein. Les restos, les vacances, les spectacles, les putes. Bah c'est payant, hein. Qu'est-ce qui est gratuit aujourd'hui? Le sida et le 20 minutes. Tu vois, donc à un moment donné... Tant pis, alors jusqu'à preuve du contraire, ceux qui se plaignent de l'argent sont ceux qu'on n'ont pas. T'entendras jamais un riche te dire, oh là là, ce mois-ci je suis emmerdé, j'ai mis trop de côté. Non. Il s'épanche pas, le riche, il est pudique. Il t'appellera jamais le dimanche matin pour te dire « Excuse-moi, Bernard, mais est-ce que ce mois-ci, je peux te prêter de l'argent ?» Non. Donc maintenant, les prolos, vos gueules, et arrêtez de nous faire croire que vous voulez pas plus de pognon alors que vous jouez l'auto trois fois par semaine. Bande de cons. Moi, je crois que je suis de droite, finalement, oui. Bon, c'est pas grave, comédien de droite, hein, tant pis. Non mais le pire c'est que moi je suis un aimant à tous les tailles. Vous savez, ceux qu'on croise dans la rue, ceux qui viennent toquer à votre porte, les témoins de Jéhovah, les scientologues, ils sont tous persuadés en ma tête que j'ai une vie de merde. L'autre jour, deux bonnes sœurs qui me disent dans la rue, Jésus est vivant, Jésus est vivant. Ben c'est une bonne nouvelle, hein. Pourquoi il n'est pas venu nous le dire? Les scientologues, eux très sérieusement, ils me disent, je sens que votre corps n'est pas en phase avec votre esprit. C'est pas vrai. Comment t'as deviné, mon pote? Les Raéliens, ils sont très drôles, les Raéliens. Ils me disent, vous n'êtes pas différent, vous êtes juste un enfant d'extraterrestre. Oui, bien sûr, oui. Bah, quand tu les croiseras, mon pote, demande-leur à quoi ça sert de pouvoir se toucher les genoux sans se baisser, j'ai pas compris, moi. Je... Et ça, c'est une vanne que j'adore parce que tous les gens qui viennent voir mon spectacle, la première chose qu'ils font en sortant... C'est vrai, c'est... C'est ça, hein? Non, puis voilà, on va pas se mentir, dans ma vie, tu vois pas hyper, hyper bien. Avec les filles, c'est un petit peu compliqué. J'ai jamais eu de petite copine, voilà, c'est pas.
C'est pas grave, c'est triste surtout. Et le plus frustrant, c'est que j'ai plein d'amis filles qui m'entourent, plein de copines qui m'adorent. Tout le monde aime Guillaume, il est comme un confident, comme un petit frère. Tout le monde aime ce copain courageux, un petit peu étrange. Oh, c'est le copain PD finalement, tu vois. Hein, c'est ce mec qui est tellement comme nous qu'on oublie qu'il est handicapé. Parce qu'il nous fait oublier son handicap, Guillaume. D'ailleurs, on l'oublie tellement qu'on se souvient toujours de lui rappeler à quel point c'est formidable de nous faire oublier ça. Et puis la beauté intérieure, c'est bien le plus important, non? Il faut peut-être plus de courage pour visiter l'intérieur d'une maison en ruine. Mais vous voyez, moi aussi un jour, je rencontrerai une femme exceptionnelle. Exceptionnelle parce que cette femme, pour la première fois, elle aura compris quelque chose de fondamental. C'est que ce sont mes os qui sont en verre. Et certainement pas mon cœur. Voilà. Oui! Voilà, c'est comme ça que je nique tous les soirs. Ah, salon. Merci beaucoup. Jolie, Malik a dit. Jolie, Malik. Malik a dit que t'étais jolie. Un Romano? Non. Non, non, il fallait quand même un petit peu. Non, mais avec le verre de vin, si on ne nous dit pas tout. Mais c'est le fait. C'est celle-là. Vas-y, vas-y. Ouais, ouais. Ah, ne nous dites pas tout. Ah, oh. ouais. Non, celui qui. Celui qui le fait le mieux, c'est quand même François. Ouais, ah, juste... regardez. Mais on fait le tour. Après, tout le monde le fait. On fait des imitations. Ouais. On ne nous dit pas tout. Ah, c'est bien. Mais non, faut que tu dises une vanne. Sur la politique, ouais. On ne le dit pas tout. François Hollande, à force de descendre dans les sondages, on se demande s'il va pas toucher le plancher. Allez, viens. À toi. On ne nous dit pas tout. Voilà. Et la vanne, Manuel Valls. On va danser une valse. Ah ouais. À toi. On ne dit pas tout. Oh, pour les fêtes de Noël, le ministre de l'économie, ça sent un peu le sapin. C'est bon. C'est très bon. Je vais le faire. On ne nous dit pas tout. Il paraîtrait que Jean-Marie Le Pen a chanté Born to be Alive. Ah oui. Allez, bien. Ouais. À toi, Stella. C'est génial! Ah ouais. C'est qui ça? C'est génial. C'est pas du tout la même imitation. C'est tout ce que je sais faire. Et qui vous aimez bien dans l'humour, vous? Pascal Selem. Non, dans l'humour. Ah, dans l'humour. Mesraï. Rolin. Des gens qui seraient pas là. Des gens qui seraient pas là, d'accord. Des gens qui seraient pas là. J'aime bien les inconnus. Vas-y. La télé des inconnus. Vas-y, fais une vanne. Une vanne des inconnus? Alors attends. Marie-Thérèse! Marie-Thérèse! Marie-Thérèse. Non, tu sais. Alors moi j'aime bien le tableau. Tu as Fabrice Eboué ou pas? Ouais. Moi j'adore Fabrice Eboué. Il est bon. Je sais pas si t'as vu ton spectacle. Très drôle. Pardonnez mon esprit d'escalier, mais vous ne me ressemblez. C'est que justement j'en discutais de ça il n'y a pas plus de 3 jours. On va faire. Et ben c'est que les. la nouvelle génération. C'est le moment où tu mets ça gris. La nouvelle génération, et j'inclus Titov dans la nouvelle génération, ouais. Malik, 15 ans, 19 ans. Ils sont infiniment plus sympas et ils se prennent moins le melon et ils sont bien plus. Voilà, tous ces gens-là. C'est bien plus familial qu'avec les grands anciens. Que j'ai connu, que tu as connu un peu, qui était un petit peu pète sec, et ben Raymond DeVos, pour l'approcher, il fallait que tu prennes le sport, déjà. Même DeVos, pas trop chouette dans la coulisse, tu vois, ce qui machin. Et bon, il y avait une culture assez individualiste, et maintenant, je trouve que c'est. Voilà, ils sont tous les. Tu vois, tous les de sa mère, les Verino, les machins, tous ceux qui étaient là. Oui, ils sont plus accessibles. Par exemple, Roland McDan, quand il fait une animation dans un supermarché, moi, je... Non, mais il n'y a pas la frontière, tu vois, de. Tu vois? Alors, qui vous aimez pas comme chanteur maintenant? Ça y est, au hasard, Raphaël. Pourquoi? Je sais pas. Parce que... T'as 150 ans! Oh, ta gueule! Ouais. Mais va te faire enculer, quoi! Il y a Vincent Delerme aussi. Ah, j'aime bien, moi. Vincent. De 1973. Tu fais bien? T'es moins dépressif que lui. Moi, j'aime bien Vincent Delerme. Mais il est bien, Raphaël, il est beau en plus. Il est beau. Dans 150 ans, mais pas de faire enculer sans déconner. T'es d'accord? Mais c'est pas ça, 50 ans en plus, c'est dans. C'était quoi? Si, c'est ça. 150 ans. 150 ans.
on sera tous crevés depuis bien longtemps. Mais c'est vieux ça. Le Vlad, tu vois. Ah, ouais, ça devient vieux. François, tu t'aimes pas comme chanteur, toi, chanteur. Ah ouais, dénonce, balance. J'en connais tellement pas beaucoup. Celui que t'aimes le moins, vraiment. J'en connais tellement pas beaucoup. Étienne Dao, peut-être, c'est celui-là. Ah non, j'adore Étienne Dao. Il chante pas, il susurre. Viens, là, un mec. Non, enlève la deuxième syllabe. Je le dis, oui, je voudrais qu'une des gueules. Qui t'aime pas, toi? Non, Gigi, toi, qui t'aime pas? Que je déteste, pardon, hein, je vais me prendre plein de notes dans la gueule, mais c'est Georges Brassens, je peux pas. Ah, c'est bien, moi je trouve c'est bien, c'est courageux. Génie, le mec, c'est juste un génie. Oui, ah, ouais. Elle dit ça, à la fin, il va pas lui envoyer un texto dans la c'est un génie. Il chante quoi, Génie? Comment ça, Génie Brassens? C'est pas possible. Elle est pas toi, cette chanson. L'autre n'était pas le radeau, c'est pas possible. Vas-y, 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 vas-y. Les copains d'abord. Mais tu sais, c'est pas tout. Non, c'est insupportable. Je touche, je déteste tout, j'aime pas du tout. Bah lui, t'adorais. Hein. Ah, bah, c'est quand il est mort, ses dernières paroles ont été pour toi. Ouais. Ça m'étonnerait, j'étais pas né. Ouais, il avait même écrit la chanson Gigi Lamoroso. Et comme acteur, alors, ou actrice. D'accord. Il y a une que t'aimes pas. Rien à dire. Une que t'aimes pas. Que j'aime pas, non. Non, il y a un phénomène, moi, de l'actrice un peu, tu sais, inaccessible, que personne connaît, que j'aime pas. Qui arrive un peu les cheveux dégueulasses, un peu à la télé, tu vois, le truc. Elle fait du cinéma. Et tout le monde est là devant la télé. Ouais, c'est ça, il se dit, qui c'est celle-là, tu vois. C'est pas une actrice en particulier, c'est un phénomène un peu. Ah, moi aussi, française. Parce que voilà. Tu veux pas dire un nom, parce que t'as pas de coup. Ah non, non, j'ai pas de nom. Puis j'ai du respect parce que c'est. Un... Ah, moi, il y en a une que je déteste, c'est Marc Mercadier. Tant pis pour la suite. Non, moi, dans les chansons, par contre, c'est pas un chanteur, une chanson que j'ai jamais pu, c'était Cœur de loup. Ah, j'adore Philippe Lafontaine. Ah, moi je peux pas. Pas le temps de te lire, ni de quitter la scène. Alors, à pas de toute façon. C'est épidermique. Non, moi les trucs que je déteste. Moi c'est Mécano, Mécano. Ah, j'adore Mécano. Une femme avec. Héros de la Luna, c'est bien. Oh, c'est bien. Non, moi j'aime pas Indochine, ça je peux faire une crise d'épilepsie. Et Image. Image. Je peux tuer des gens, Mathieu. Ouais, mais bon, là, à la fois, ça fait un moment qu'il... Moi, Schubert, je trouve ça de la merde. Ouais. Là, on n'est pas... On est pas là, tu prends des risques, toi. Tout Coltrane, c'est de la merde. Jesse Garante. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. C'est bien. C'est la vie. C'est l'égérie des homos. Elle nous vient directement du Marais. Pour vous, ce soir, je vous demande de faire un triomphe à Mylène Farmer. We'll be right back.
pas un acteur qui s'appelle Tito dans le porno? Mais bien sûr. Ah, si. Avec un seul F. Ça t'a aidé? Ça m'a aidé. Est-ce que t'as pu? Est-ce que t'as pu aider mes filles parce qu'elles pensaient tomber sur l'autre? Jamais de la vie. Mais ça a été une... En plus, c'est coïncidence, il y a 15 ans. Tu vois, alors que le porno, les acteurs, on parle pas souvent d'eux. Alors lui, il a eu comme ça une espèce de médiatisation en même temps. Moi, ma grand-mère, dans son quartier, j'ai vu votre, mes premières télés. Oui, il a fait Bi. Moi, ma grand-mère, elle dit, oui, j'ai vu votre petit... Sa voisine dit, j'ai vu votre petit-fils. Mais en fait, il est acteur porno. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a eu une confusion, même encore sur Internet. Si tu t'as pas 2 F, tu tombes sur Titoff, l'acteur porno, quoi. Et t'as pas profité de certaines confusions, toi? Non, non. Lui, peut-être. J'ai eu un gros problème au niveau de la DAMI, tu sais, des droits d'auteur. Ah bon? Eh ben c'est oui. C'est lui qui les a pris. Il dépose ses textes? Tu la sens. Tu la sens. Alors moi, tout de suite, j'ai vérifié. J'ai dit, ah non, ce sketch, c'est pas moi qui l'ai écrit. Mais il y a eu des... Tu sais, sur les diffusions... Non, c'est vrai ce que tu dis. Ouais, sur Adami, il y avait une petite... Et c'est lui qui a pris... C'est lui qui a pris... Non, mais c'est moi, mais il tourne beaucoup plus que moi, donc ça m'a arrangé, quoi. Sans film. Non, le vrai truc, c'est quand... Ils font sans film. Ils ont tourné le porno qui s'appelait « Mets-moi des chips dans la chatte ». Oh là là, les droits d'auteur, Maro qui sont les fions. Ouais, c'était... T'as fait un porno, toi, que j'ai vu. Ça s'appelait « Des blattes dans la chatte ». Raconte un peu. Oh, non, c'était joli, quoi. C'était animalier, ouais, en même temps. C'était beau, c'était romantique, quoi. Animalier, un peu. Avec le verbe allemand. Et qui croit en Dieu, là? Voilà, voilà. La transition. Tu crois en Dieu? Ah, ouais. Moi. Je crois en Dieu. Pourquoi? Parce que rien ne m'a été prouvé. Qui démontre qu'il existe. Non. Non. C'est Dieu. Voilà. Moi, je crois à une entité, un truc au-dessus, tout simplement. Quel étage? Tu peux peut-être lui faire un petit cocktail, alors. Ah, allez, faire un petit cocktail, tout de suite. Ah. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. J'ai envie de faire un cocktail rien que pour Malik. Je vais faire un cocktail rien que pour toi. Je vais retracer ta vie avec de l'alcool. D'accord? Ah ouais, alors déjà, bon, il faut le savoir... Le boucher un peu efféminé. Exactement. T'inquiète pas, après, ce sera pour toi. Ah, mais j'espère. Alors, tu es né le 1er mars, oui. Comme Harry Belafonte. Walk all night, have a drink of rum. Je mets du rum pour dire salam malikum. Tu es né en 1989, une année qui est très importante pour les beurs, parce que c'est l'année de la chute du mur de Berlin. Tu es né, n'est-ce pas, à Bagnols-sur-Cèze. Ouais. C'est une petite ville située à côté de Bécane-sur-17, il me semble. Je mets du sirop de sucre de Bécane. Je fais un film là-dessus, peut-être Bagnols. Ah oui. Tout à fait. Ensuite, il me semble que tu montes à Paris et tu vas essayer des sketchs dans des cafés-théâtres, notamment un qui est consacré au fist-fucking et à la ponctuation, le point-virgule. Tout à fait. Ensuite, tu rencontres Jamel Debbouze, champagne. Et vous ressemblez un petit peu tous les deux, je trouve. D'accord. Hein, t'es un peu cette jumelle Debbouze. Ensuite, grâce à lui, tu vas faire ton premier... Ah ouais. Eh oui, ouais. Parce que grâce à lui, il va faire après son premier one-man show. Malik Bentala se la raconte. Et la même année, tu sors ton premier album, Malik Bentala se la Fabian. Tu vas ensuite travailler à la radio. Tu vas travailler à la radio avec Jean-Marc Morangini. Je mets du Gini. Et tu vas faire du cinéma avec Danny Boone. Je mets du Maroal. Ensuite, on en revient à Harry Belafonte. Shake, 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 señora. Shake it all the time. Et voilà ton cocktail, rien c'est que pour magnifique. Toi. Tu peux le refaire chez toi. Il y a du rhum, du sirop de sucre de canne, du champagne, du Gini. Et du maroil. Bonne dégustation. Merci beaucoup. Il y a de l'alcool dedans. Faut que tu goûtes, faut que tu goûtes. Non, c'est un honneur. C'est parti, ouais. Après toute la déclaration. Si tu crois en Dieu, tu bois. Non, ta vie. C'est ta vie là-dedans. C'est toute ma vie qui est là-dedans. C'est bah voilà. C'est pour moi, ça me fait plaisir. Merci. Moi aussi. Merci. T'as tout résumé. Je suis ému, putain. Il le boit pas. Et souvent, quand t'es ému, tu te barres. Ouais. C'est le moment. Ouais. Allez, Malik. Malik. On t'aime, Malik, on t'aime. Malik. Malik, Asma. Allez, champagne pour tout le monde. Ouais. Mais vous fêtez quoi, en fait? Aujourd'hui, c'était le dépuçage du petit. De qui? Du petit. Mais c'est qui t'a dépucelé? Ben c'est Gigi. Oh. Et en plus, c'est mon 1000e dépuçage. Et moi, madame. C'est mon 10e. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu m'as dit des conneries, tu m'as niqué.
Ah non, c'est toi qui m'as niqué. Chien. C'est fait, toi? Non. Allez, viens, mon petit chat. Allez, hop, du riz, parce que moi, j'ai du boulot. Et je peux te re-dépuceler, si tu veux. Oui, monsieur, madame. On y va? C'est parti? Attends, j'arrive. Et toi, tu crois qu'il y a un paradis, qu'après ta mort, tu seras drôle, tu crois, ça? Bon, les gars, salut, allez. Le mec, il est super cool, d'un coup, il arrive. Ouais. Non, pour l'instant, non. Ah, moi, je l'ai vu à Marrakech. Il a fait un carton. Il est très fort. Ah, c'est gentil. Très, très fort. C'est gentil. Et il a un rythme. Tu sais, des fois, t'as des comiques un peu lymphatiques, un peu lent, un peu en retard, tu vois. Ça va être Ginger. Tu vois. Qui parle de moi, regarde. Qui mange des chips. Moi, je suis le mec qui mange des chips. Alors lui... Je suis le mec, tu sais, qui parle le plus vite. Qui est le plus... C'est vrai que c'est... Je suis comme ça. Mais c'est vrai que je dis ça parce que c'est vrai. Beaucoup de gens, quand ils viennent voir mon spectacle, ils sont souvent surpris du débit, justement. Je t'ai vu à tes du tout début. C'est vrai. Il y a 40 ans. Bah ouais. Après lui, il y a 15. Pas 15. Et non, pas 15. Ouais. Non, c'est bien de voir des gens monter comme ça. Et... Tu quantifies la chute, quoi, ça va être horrible. Le premier sniper de France, c'était un métier qui n'existait même pas, maintenant il y en a plein. Moi j'ai été un alternant, j'ai eu la chance et l'honneur de le remplacer de temps en temps. Mais Laurent. C'était dur l'ambiance, hein. Non, c'est pas ça, c'est que Thierry m'avait dit non, surtout ne fais pas comme Laurent parce que tu n'y arriveras pas. Tu te mets là et tu sors une connerie de temps en temps. J'ai dit oh, ça va, je suis payé. Oui, j'ai dit ça me va. Et toi, t'es pas mauvais en répartie. Non, j'aime bien. Fais-le quand tu le sens. On a attends. Non, écoute, franchement, ça se peut. Non, c'est important d'avoir de la répartie. Hein? voilà. Hein? Voilà, ouais. Et ouais. T'es allé à l'école, non? Non, je me suis arrêté au portail, moi. Ah, petit teuf, ça me fait plaisir. Un petit peu de coco, de petits... Non, ça, merci, ça. Une pipe, 30 euros. J'ai pas la monnaie. Non, sur moi. En olivier. Bon, bah, vas-y. Roule ma poule. Et tu pisses pas à côté, hein, parce que je vous connais, les Marseillais. Ça prend une calanque ici. Hein. C'est marrant, avec toi, j'ai envie de construire, j'ai envie d'avoir des enfants. Oh, t'es trop mignon. Papa, viens vite, il y a maman qui perd les os. J'ai peur, viens. Quoi? Mais t'es mariée, t'as des gosses? Je connais pas ce gamin. S'il te plaît, j'ai peur pour maman. Oh, salaud! Mais... Bien joué, petit. Merci, monsieur. Retourne chez tes parents, ils t'attendent. Ça s'est bien passé? Oui, super. Tu veux pas me sauter? Non, merci. Pourquoi t'es pas marseillais? Si, pourquoi? Qui me saute pas n'est pas marseillais! Yeah! Qui me saute pas n'est pas marseillais! t'es parisienne, toi? Oui, je suis de Paris, pourquoi? Parce que... Paris! Paris! Allez, bonne soirée. Hein. Bonne continuation. C'est quand même pas dû au hasard. Le hasard, il fait très très bien les choses quand même. Le système en Oh, on regarde partout avant de parler. C'est un être humain, comme tout le monde. On est tous des êtres humains. Non. Sauf quoi? Ah, pardon. Guillaume, je parle sous ton contrôle. Tu n'es pas un être humain. Tu es d'une autre planète. Ouais, je viens pas d'ici, moi. C'est vrai que tu nous as bien eu, quoi. Pour un extraterrestre, tu nous as bien niqué, quand même. C'est que là-bas, il est mannequin, lui. Ouais. Je suis le petit Jadis connu. Uranus. Et là, c'est des nouveaux critères. Mais ici, dans 200 ans, tout le monde sera comme ça. Va falloir s'habituer, hein.
Non, c'est dans les maternités. Dans les maternités, il y a une espèce d'algorithme de trucs qui font que c'est assez équilibré. Ouais. Donc, ouais, moi, mais quand un truc de comment dire, ouais, de l'infiniment petit, infiniment grand. Arrête avec ta bite. Non, je ne peux pas m'empêcher d'en parler. Mais c'est vrai qu'il y a un côté. Tu peux te dire que peut-être, genre, tu sais, tout à l'intérieur des le comment dire, tout ce qui est infiniment petit. C'est des vies, c'est tout ce qui vit dans tu parles dans Men in Black, quoi. Non, mais ouais, nous, pourquoi on serait pas, tu vois, au centre d'un truc, En tout cas, t'expliques bien. Et tes conférences, ça se passe bien, les conférences, t'as démarré. On peut pas parler sérieusement, putain. Vous allez tous aller en enfer et vous allez kiffer. Bah, on sera ensemble. Barbecue. Avec des soucis de fond. Non, mais c'est important de. C'est l'enfer qui est le plus terrible. C'est important de savoir que c'est pas dû au hasard et c'est pas rien, c'est pas arrivé comme ça. C'est bien équilibré quand même. Quand je te parle de la chaîne alimentaire, du cycle de l'eau, tu vois, la Terre, on est en train de la dérégler. C'est nous qui la déréglons. Ouais, moi je suis un pote, il croit en rien, il veut pas d'enfant, tout ça, parce que. Ah, il se dit que c'est la fin, parce qu'il est très pessimiste. Il se dit que ça sert à rien d'avoir des enfants, parce que. Ouais, ça s'appelle dépressif. Ça s'appelle dépressif, ça, oui. Il y a cette blague qui est super connue, je sais pas si. Le mec qui est en haut d'une falaise, tu la connais, elle est bien. Ouais, c'est vrai. C'est quoi, la réponse pourquoi les nains ils mettent des pantacours. Après, Gigi, après. C'est la blague du mec qui fait de l'alpinisme. Ouais. Tu la connais, tu vois, elle est connue, voilà. Je la connais pas. Tu la connais pas ? Fait de l'alpinisme ? Si, bah si. Voilà. Non, mais non. Tu la racontes ou pas ? Mais il est femme. Oui, moi je suis. Moi je veux que tu la racontes. Il tombe, il s'accroche à une branche, il va pour tomber, et il y a une petite grotte au-dessus de la branche. Et il dit, tente le coup, il dit, il y a quelqu'un ? Et il entend une voix qui dit, oui, c'est Dieu qui te parle. Je vais venir te récupérer et te poser délicatement sur le sol. Et le mec, il dit, y a quelqu'un d'autre ? un athée, ouais. Là, je connaissais la même avec un black qui se promène à être tard. Il y a une rafale de vent et il tombe. Et il fait, mon Dieu, s'il y a un Seigneur, Et puis, il fait, sauvez-moi. Et il s'accroche à une branche sur la paroi. Et il dit, y a quelqu'un, mon Dieu, si vous existez, sauvez-moi. Il entend une voix céleste qui lui dit, lâche les mains et confiance, je te sauverai. Il fait, oh, c'est chaud là quand même, là. Et là, et confiance, lâche les mains, je te sauverai. Oh, Seigneur, il faut confiance. Hein. Il lâche les mains, il s'écrase comme une merde. On entend la voix qui fait, j'aime pas les noirs. Elle est mignonne. Elle est mignonne. Ah, ouais. Personnellement, je passe une très bonne soirée. Tu fumes des joints, toi ? Non. Si, Non, je n'ai jamais fumé de ma vie, moi. Sur la vie. J'ai jamais. Écoute, de toute ma vie, je n'ai jamais mis dans ma bouche une cigarette. Attends, j'ai une vanne qui arrive. Ferme ta gueule. Tu la sors pas parce que je l'ai vu venir. J'ai jamais fumé de ma vie. Ni une chicha, ni du shit. C'est pas vrai. Ni de drogue, ni un verre de vin, rien. Tenez-lui les mains, on va le faire fumer. Ah, rien. Ouais. C'est juste que parce que. Voilà. C'est peut-être pas plus des doigts, non. Non, peut-être, je sais pas, tu vois, c'est le. Non. Bah, la bouffe, là, autour du comptoir, on est tous pareils, non ? On a tous envie d'aller fumer. Tu te dis, qu'est-ce qui doit se faire chier, peut-être ? Alors, le sexe, alors ? Non, ça paraît jamais. Bah oui. Jamais. T'es pas marié ? La circoncision. T'es pas marié ? Non, rien, franchement. On a jamais de sexe non plus. Non. Titov, tu veux un cocktail ? Avec plaisir. Fred ? C'est un honneur. Bonsoir, Titov. Oh, je vous vois toujours. Est-ce que je peux me permettre de faire un cocktail rien que pour toi? Tu me trouves toujours aussi gay? Non. Voilà. Je tiens à le préciser, j'adore ce mec. Bon, alors, je vais essayer de retracer ta vie avec de l'alcool. Alors, il me semble que tu es né le 18 juillet à Marseille, forcément. Je verse du pastis. Tout petit, tu joues au football au club de Martigues. Je joue du pastis. Je mets du pastis. Tu fais tes premiers sketchs, il me semble, à Saint-Tropez. Je rajoute du pastis. Tu fais ton premier one-man show au Chocolat Théâtre à Marseille. Je mets du chocolat et du pastaga. On est d'accord? Tu montes à Paris, tu rencontres Jean-Luc Delarue, et là, bien évidemment, je mets de la coke. Ça va, voilà. Alors, après, tu t'es fait mettre en scène par Dominique Farrugia. Alors là, je mets de l'eau qui a vieilli, c'est de l'eau tarie, tout à fait. Et là, c'est le succès, Trévise, Palais des Glaces. Magnifique. Tout à fait. Et bien évidemment, les sketchs que tout le monde connaît, les chips, Histoire naturelle, et plus récemment, celui sur cette barre chocolatée qui file la chaude pisse, le Kinder Bueno. Tu vas faire un succès au cinéma
avec comme un aimant, un film sur Marseille, Gomez et Tavares, un film sur Marseille, et puis bien évidemment, la consécration de ta carrière, Danse avec les stars, oui. Où tu te feras éliminer au 4e prime pour retourner à Marseille. Alors voilà, tu peux le refaire chez toi, dedans il faut du pastis, du pastis, du pastis, du pastis, de l'eau, du chocolat, du pastis et de la cocaïne. Bonne dégustation. Merci. Bravo. Ça me fait plaisir. Tu peux y aller là. Toi, tu crois pas en Dieu, tu peux y aller. Non, non. Goûte, goûte. Non. Il le boit. Qu'est-ce que tu fais? Il le boit. Très bon. C'est du pastis. C'est la poudre qu'il a mise. C'était du sucre glace. Ah, du sucre glace. Du sucre glace. Donc en fait, il est. Regarde, Pascal, cul sec, regarde. Cul sec, cul sec. Cul sec. Est-ce que vous êtes chaud, mesdames et messieurs? Non! Elle nous arrive tout droit des States. Les States, hein? Les sœurs qui pointent, alias les Pointer Sisters, avec leur titre Je suis excité. Oui! C'est parti, on les accueille, applaudissez bien fort! Come on, y'all! Clap your hands!
un incident vient de se produire. Stella s'est écrasée les couilles. Je propose qu'on lance une page de publicité. Accident de travail.